Aie pitié de lui. Aie pitié. Aie pitié, papa. Aie pitié. Fais grâce à toi. Fais grâce à tous ces gens. Fais grâce à tous ces gens. Seigneur Jésus, mon frère, je te prie, papa. Votre fille la détresse d'un. Voyant le péché de David, tu n'as pas laissé dans la mort. Mais Père, tu t'es souvenu de David et tu t'es souvenu de ton alliance. Seigneur, souviens-toi que dans Genèse 1, à partir du verset 27, tu as créé l'homme à ton semblable, à ton image. Seigneur, tu ne peux pas laisser l'homme afin que le diable malade l'homme, Seigneur Jésus. Seigneur, cette maladie qui est en lui, ce n'est pas toi qui as connu. Seigneur, tu as créé l'être humain en fait, tu habites dans l'être humain. Tu n'as pas créé en fait que la maladie habite dans la vie. Seigneur Jésus-Christ, nous déconnectons maintenant. Nous déconnectons ce qui est connecté à lui. Nous déconnectons ce qui est connecté à lui. Tout ce qui est hors d'entrée. Seigneur Jésus-Christ, Père, nous commandons maintenant. Cette maladie sort de nous. Nous commandons maintenant. C'est la puissance de Dieu. Seigneur, tout ce qui a été fait au niveau de son cœur, Père, nous plongeons nos mains dans le sang. Nous les retirons. Dans tout son corps, la restauration. Père, tu as dit à Ézéchiel, Ézéchiel 37, à partir du verset 9 à 8, à partir du verset 8 à 9, tu as dit à Ézéchiel de prophétiser. C'est-à-dire tout ce qui était mort, je prophétise maintenant que ça reprenne vie, 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 ça reprenne vie. Et je suis Seigneur, Père, je donne ma que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit délivré par les incels, par les élus, que ça sorte de lui, que ça sorte de lui. Ça le libère maintenant.
jour, Jésus-Christ dit, c'est que nous prenons ton sang pour laver son péché. Nous lavons 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 son péché. Au nom de Jésus. Seigneur, je retourne maintenant. Que tout ce qui est là a été fait maintenant je commande grâce à sa vie jusqu'à mort. Je commande maintenant sa vie jusqu'à mort. Je commande maintenant que sa vie jusqu'à mort. Seigneur, je prends maintenant Apocalypse 16, à partir du verset 10, à partir du verset 7. Seigneur, tu as dit ton hôtel de justice. Seigneur, que ton hôtel de justice descend maintenant pour faire justice à tous ces gens. Que ton hôtel de justice descend maintenant pour faire justice. Seigneur, il y a trop d'accusations. Il y a trop d'accusations qui pèsent contre ton nom. Je fais descendre le tableau afin de justifier ton fils. Afin de le justifier. Afin de le justifier. Père, justifie ton fils. Il reçoit maintenant la vie. Il reçoit maintenant la vie. Et pendant que son âme en train de sortir de la terre, il reçoit son âme avec la vie. Il reçoit son âme. 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 Reçoit la vie. 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 Dans tout le monde qui est encore le Seigneur est le réparateur des cœurs brisés. Il est le réparateur de toutes choses. Il est le temps de la circonstance. Il est le Dieu qui ne parle pas. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui a créé l'homme à son semblable. Aujourd'hui même, il te donne le souffle. Il te donne maintenant aujourd'hui. Maintenant même. Maintenant. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Au nom de Jésus. Tu reçois maintenant au nom de Jésus. Je commande maintenant que le Seigneur Jésus te donne un nouveau cœur maintenant. Enfin que Père, ton Fils en sortant d'ici, puisse témoigner la puissance de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as le réparateur des cœurs. Père, tu répares son cœur maintenant. Tu envoies l'ange de l'éternel à remplacer tout ce qui était gâté, tout ce qui était usé, tout ce qui était, Père, maintenant, ça sort de vie. Ça sort de vie. Ça sort de vie. Maintenant, ça sort de vie. Père, tout ce qui était tension. Ça le libère à l'instant de toi. Tout ce qui était conscient, ça le libère de son corps. Il devient normal. Il devient normal. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, une onde de feu. Une onde de ton feu. Une onde de ton feu. Que ton feu de sang. 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 Seigneur Jésus. On a eu le sang. Éternel Dieu. Voici, Père, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait dans la vie de ton serviteur, enfin qui se retrouve aujourd'hui ici, Seigneur, nous prenons connaissance de la partie du verset 14 à 15. Seigneur, nous savons que tous les démons d'autorité, tous les démons de famille qui les ont trouvés à la croix de l'homme, Seigneur, aucun démon n'a assez à sa vie. Parce que tant que je pendant que je vais briser le lien, qui le condamnait. Seigneur, que tous ces démons sortent de lui maintenant. Seigneur, je brise bien les condamnations. Je brise bien. Je brise. Je la rends caduque. J'efface. Je rends caduque. Que je prends maintenant. Isaïe 7, 7. Cela n'arrivera. Et cela n'aura plus lieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Je prends ta parole. Je lui dis, voici le village qui accompagne tous ceux qui ont besoin. Seigneur, ils ont la sainteté. Les frères. Voici le village qui accompagne les frères aujourd'hui. Voici le village qui accompagne les frères aujourd'hui. Voici le village qui accompagne les frères aujourd'hui. Tu as dit, vous imposez la main à la malade. Et les malades seront guéris. À l'instant que tu reçois la vie. Il reçoit la guérison, il reçoit la restauration, il reçoit sa délivrance. Au nom de Jésus, que je cesse sa délivrance dans le sang de Jésus. Je commande que le sang de Jésus lui donne au nom du sang de Jésus. Merci Seigneur. Quand tu as dit dans Romains 8, à partir du verset 1, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Seigneur Jésus.
ils ont accepté. Père, malgré qu'ils adorent d'autres dieux, ils ont accepté pour que nous prions. Seigneur, je commande maintenant que ta puissance descende en lui. Que ta puissance descende en lui. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Père, nous avons prié par la foi qui te donne. Et nous savons que les prières sont de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait des affaires du roi. C'était fait mal comme s'il y avait quelque chose. Il dit qu'il a un problème de vente. Donc ça sort dans son dos. Donc ça en effet. Le Seigneur Jésus est venu pour nous donner la vie. Et il a dit qu'il y a deux chemins sur notre route. Il a dit il y a le chemin de la mort, il y a le chemin de la vie. Mais lui, il y a le chemin de la vie qui nous donne le libre choix de choisir le chemin de la vie. Aujourd'hui, là, si tu vois qu'on est ici, c'est parce que tu es enfant de Dieu. Et ton jour est sonné que le Seigneur veut que tu l'acceptes avec ta vie. Nous ne te disons pas que ta vie de nous suivre. Mais il faut suivre Jésus. Le reste de ton temps, il faut donner ça à Jésus. Tu as compris? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes malade. Il n'y a pas des amis à côté de toi. Il n'y a pas. Ta maman n'est pas là. Ton frère n'est pas là. Mais c'est toi seul qui souffres dans ton corps. Et la nuit, pendant que les gens sont en train de dormir, toi, tu ne dors pas. Donc, ce qui est bon pour toi, c'est pour suivre Dieu, pour donner ta vie à Dieu. Que aujourd'hui, quand tu sors d'ici, tu puisses dire à quelqu'un que la vie que tu vis, si tu ne changes pas, le jour tu vas te révéler telle chose, tu sauras que tu es seul. Parce que le jour du jugement, tu es seul. Et tu vas répondre des questions. Ça dit tous les injures que tu as donné aux gens. Tu vas répondre. Tu vas répondre. Dis-moi comment prier. Et pas la résolution de cette décision. Parle-moi la résolution. Parce que c'est lui seul qui peut sauver. C'est lui seul qui donne la vie. Tu as compris? Et le Seigneur te bénisse. Ton œuvre, c'est moi. Et nous sommes. On va prier pour toi. On va te dire pardon de sa vie. Parce que la maladie ne vient pas comme ça. La maladie vient parce que l'homme a péché. Si l'homme n'a pas péché, la maladie ne peut pas l'enlever. C'est quand tu pêches, le démon a l'autorité maintenant de te délivrer de la maladie. Donc nous allons prier pour demander au Seigneur de pardonner son fils. L'Éternel, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, nous prions pour toi, mon Père, afin que le Père te souvienne. Seigneur Dieu, aujourd'hui, mon Père, Seigneur, tu pouvais dire dans le livre de Isaïe, Kamel, Kappa, 43, à partir du verset 25 à 26. Seigneur Jésus, tu nous as dit par la parole, Éternel, mon Dieu, tu fasses et tu te souviens. Parce que tu as mouru. Seigneur, je prie que aujourd'hui, mon Père, tu es tellement dans la vie de Christ. Et que tu fasses tout ce qui est fait sur sa vie. Seigneur, tu Seigneur, nous te demandons pardon. 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 Seigneur Jésus, oh, fais quelque chose. Fais pardonner. Pardonne ton service. Pardonne ton service. Pardonne ton service. Éternel mon Dieu, Dieu tout puissant, roi de l'homme, aie pitié de lui. Aie pitié de lui.
Aie pitié de toute cette vie. Aie pitié. Oh Jésus, manifeste. Père Céleste, glorifie-toi. Seigneur Jésus, tu es Dieu. Ne me laisse pas ton fils. Ne l'abandonne pas. Voici mon épouse. Interviens avec nous. Interviens. Ne regarde pas tout ce qu'il a fait à ses parents. Ne regarde pas tout ce qu'il a fait à ses soeurs. Ne regarde pas tout ce qu'il a fait à ses grands frères. Père, mais regarde le souffle de vie que tu lui as donné. Regarde la forme que tu lui as donné de venir sur la terre. Afin que tu habites en lui pour exercer ton ministère. Seigneur, c'est ton serviteur. Souviens-toi de lui. Souviens-toi. Souviens-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du sang de Jésus. Au nom 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 de Jésus. Amen. Bienvenue dans notre prière. Le Seigneur me dit, c'est un engouement qui nous fait. Nous allons prier pour effacer tout engouement. Et s'il y a un peu d'eau, nous allons commander. Nous donnons. On va prier pour vous. Et demander au Seigneur. Annuler l'enfant de mon Seigneur, que Jésus-Christ dans la vie. Père, nous te prions, Seigneur Dieu. Que tout en vous a été fait sur ton fils. Seigneur Jésus, qu'il soit. Effacez maintenant le mot de Jésus. Seigneur Jésus, Père, le monde va se célébrer et ton fils. Seigneur, nous commandons maintenant que tout en vous a été fait. Père, sors de lui la vie de Jésus. Père, nous brisons les chaînes. Nous brisons les chaînes. Nous cassons les chaînes. Père, merci, Seigneur Jésus. Efface, Jésus-Christ dans ce matin. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous te bénissons, je vous remercie. Seigneur, tu utilises toutes choses pour te glorifier. Seigneur, voici que Père, nous envoyons en ce lieu afin que ta gloire s'arrête en ce lieu. Seigneur, aussi que ton fils est malade. Seigneur, tu nous as dit de venir prier pour les malades. Seigneur, nous ne savons pas ce qu'ils ont mis dans ce monde. Mais tu nous as dit que c'est dans notre vie. Seigneur, l'eau, qui est le souffle de vie, nous avons pu le faire enfin que cette eau devienne le sang de Dieu. Et tu nous as dit dans l'Apocalypse, la partie du verset 11, que tu as vaincu le diable par ton sang qui est le sang. Seigneur, cette eau devient ton sang. Et pendant que ton fils va boire, que tout ton vêtement lâche son ventre, que tout va par les aisselles, qu'il vomit, que ça va par les transpirations, que pendant qu'il va pisser, qu'il pisse tous les enfouissements, non, de Jésus-Christ dans sa tête. Seigneur, je commande que ça devienne ton sang. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, lorsqu'il va voir mon sang, que la maladie disparaît dans la vie. Qui s'élève et qui sache que c'est toi qui l'as fait. Que Père, à travers ta guérison, que tu saisis ton fils, afin qu'il te serve véritablement. Parce que Père, c'est toi qui l'as envoyé sur la terre. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Les châtiments donnés à la paix.
qui nous donnait la paix, tombé sur Jésus. Et c'est par les mains tissues de Jésus-Christ que tu es guéri aujourd'hui. La main qui est posée sur ton front n'est pas la main de mon Dieu. Je commande à l'instant que tout ce qui est mis en toi, tout ce qui va faire contre ta vie, je commande maintenant que la guérison du Seigneur Jésus rentre en toi. Et par cette guérison descend toi, tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres, sorte de toi, tu libères maintenant, tu libères maintenant, tu libères maintenant. Tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, Seigneur, je commande que ton feu descende sur moi. Je parle que ton feu descende dans ton monde. Seigneur, je suis la base de ta parole. Selon Ésaïe 53, à partir du verset 5, tu dis, tu as pris les douleurs, tu as pris ces infirmités, mais tu as foulé tout à toi. Et c'est par tes maladies que ton fils reçoit la guérison. Il reçoit cette guérison. Il reçoit cette guérison. Il reçoit la guérison. Il reçoit la guérison. Il reçoit la guérison. Seigneur, je prends le livre de Colossiens 2 à partir du verset 14 à 15. Seigneur, tout acte qui condamnait ton fils. Seigneur Jésus, tu pouvais dire que le diable, avant de toucher Jean, il allait te voir. Vous venez toucher Jean. Seigneur, tout décret qui tient pour accuser ton fils, je l'ai brisé. 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 J'annule ça sur sa vie. J'annule ça sur sa vie. J'annule ça sur sa vie. Je commande que ta restauration descende. Je commande maintenant que tu me restaures maintenant. Je commande maintenant que tu restaures son vie. Je commande maintenant que pendant que ta restauration est descendue, partout il se tendait de Dieu, partout il se tendait de Dieu, que reçoit ce feu, que pendant que ce feu descend, que la guérison suit. Que la guérison suit. Que la guérison c'est ça. Que la guérison s'installe. Je maudis la source de cette maladie. Je maudis celui-là qui a lancé. Je maudis ce démon qui est devenu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je brise l'autel de Pharaon. Je brise l'autel de Pharaon. Je brise l'autel de Pharaon. Je renverse l'autel de Pharaon. Je renverse le fond du monde. Maintenant, je rentre. Il est dit ce contrat médical qui délivre le monde des ténèbres. Je coupe ce monde. Jette dans sa vie. Je prends le sang de Jésus. Je remplace maintenant et je commande que tu guéris au nom de Jésus. Je commande que tu guéris maintenant au nom de Jésus. Par le sang de Jésus qui va sur toi. Tu reçois ta guérison maintenant. Tu reçois ta guérison maintenant. Tu reçois cette guérison maintenant. Tu reçois cette guérison maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois la restauration au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Laisse-toi son serviteur. Père, que ton feu descende. Et que pendant que ce feu est en train de descendre, tout démon, tout esprit malin, la sorcellerie, soit consumé par ce feu, 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 au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Sois fortifié. Tout ce qu'il a dit, la Jésus, je sais pas ce que tu vas faire pour ton fils aujourd'hui même. Mais Seigneur, je te prie. Il s'est appelé le plus dans l'air. Il t'a l'air pour Dieu en moi. Ta gloire est descendue en ce jour. Ta puissance descend en ce jour. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Si ton fils se retrouve à l'urgence, oh Père, il n'a pas demandé à ça. Seigneur, depuis qu'il était dans le sein de sa mère, Père, il n'a pas demandé à devenir malade.
Éternel, mon Dieu, mon roi, je sers sur une seule chose. Tu es fidèle. Tu es le Dieu qui n'en pardonne pas. Là où nos parents, nos amis, nos frères, nos femmes, nos enfants nous en pardonnent. Tu es le seul qui nous en pardonne. Tu es le seul qui a créé la terre et les cieux. Seigneur Jésus, qui paie contre toi? Personne ne peut te garder. Là où l'homme met sa confiance en un homme, moi j'ai dit sur ma terre, Père, voici ton fils qui a mis sa confiance en toi. Il est là, seul, tu le lis. L'hôpital. Il regarde seulement qu'à toi. Afin que tu apportes cette guérison maintenant. Afin que tu apportes cette guérison maintenant. Qui retourne dans sa famille. Éternel, mon Dieu, mon roi. Que la terre s'ouvre. Et là où ils ont mis ses eaux. Que ces eaux sortent de la terre maintenant. Que ces eaux sortent de la terre maintenant. Je commande à toi la terre qui a été créée par le Seigneur Jésus. Que tu ouvres ta bouche maintenant. Et que tu vomis maintenant. Sa santé. Je te commande toi, terre. Tu peux pas t'aimer. Sa santé à quatre. Tu peux donner maintenant terre, ouvrir la bouche. Et tu vomis ta sa santé maintenant. Non, Dieu. Partout, ils ont fait quelque chose de toi. Afin de te lancer. Là où il a été en maladie, là où on peut que tu restes dans ce programme, je me programme sur ta vie, que tu vivras. Que tu vivras. Tu ne mourras pas. Parce que le Seigneur Jésus par toi va glorifier.